Salut à toutes et à tous, c'est Timo. Comme je partais pas en vacances cette année, j'ai eu envie de retenter l'aventure Stranded Deep, d'autant que maintenant il y a une fin au jeu. Et je l'ai jamais faite, donc j'aimerais bien découvrir ça. Et puis franchement, on n'est pas bien là. On a le soleil, on a la mer, l'eau elle est bleue turquoise. Et puis on a des plages de sable fin, des petits requins qui nous tournent autour, que demander de plus? Donc on va attraper la pagaie et se rendre près de cet atoll. C'est parti, il faut ramer. Pour ceux qui connaissent pas Stranded Deep, c'est un jeu de survie où on incarne un rescapé, là je viens de me cracher, qui va se promener d'îlot en îlot pour essayer justement d'organiser sa survie. Essayer de fuir aussi, de se sortir de cette embûche. Ça fait un petit peu penser à Seul au monde. D'ailleurs, on peut trouver, je crois, un Wilson. Il s'appelle Wally, il me semble. C'est à peu près pareil. Bon, nous, on va commencer par se faire un petit couteau comme ça, tout simplement. Et puis après, on va visiter cette épave. Il y a pas mal d'épaves à visiter dans le jeu. C'est ça qui permet de récupérer des matériaux très utiles, notamment pour se construire le radeau. Parce qu'on va pas rester avec la petite embarcation de secours. Par contre, pour grimper là, c'est toujours un petit peu la galère. Faut attraper le truc jaune. Hop, la caisse, c'est très bon. Ça commence fort là-dedans. On a ce petit truc là, ok. Et puis là, les pneus, ça permet de construire. Justement, en parlant de construction, la petite montre. On voit la vie, la faim, la soif, la résistance au soleil. Et ici, il y a des compétences, chasse, cuisine, récolte, physique, artisanat. Artisanat, c'est pour les constructions. Je vais essayer de faire monter ça rapidement pour pouvoir faire un radeau de bonne qualité directement. Je suis en bonne santé, tout va bien. Pour l'instant, je défais les pneus, mais je ne pourrais pas construire le radeau avec les pneus puisqu'il faut un level de construction que je n'ai pas. Mais c'est pas grave, ça nous en fait déjà. Par contre, pour les basculer de l'autre côté, c'est toujours la galère. Hop, tu veux bien tomber? Merci. Toi, je te jette. Toi, je te jette. Ça a été beaucoup mieux avec le reste. Donc là, on a déjà trois pneus. Je vais les placer comme ça. Bah, d'ailleurs, on va rester là parce qu'il y a une étendue. La caisse, on la fait tomber. On regarde les merveilles qu'il y a à l'intérieur. Génial, il y a ça. Je vais le garder sur moi. Par contre, justement, je vais poser celui-là. Excellent. On va s'occuper du reste après. Là, je vais faire les autres épaves. Donc, il faut voir déjà s'il y en a d'autres. Je dis ça, mais j'en vois pas. Oula! Peut-être des petites bulles à l'horizon. Là-bas, j'en vois. Ça bouillonne. Ça veut dire qu'il y a un truc au fond de l'eau. Juste en face, là. Donc on plonge, c'est magnifique. Par contre, attention, c'est dangereux. Hein. On a vu le requin tout à l'heure. Il peut très bien revenir. Puis là, il y a un serpent de mer juste en face. Et ça fait que on peut avoir des piqûres venimeuses. Plutôt des morsures d'ailleurs. Et après, il faut essayer de trouver un antidote. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. En plus, j'ai pas le niveau, donc je vais éviter de me faire piquer. Mordre, mordre. Je sais pas pourquoi on dit à chaque fois piquer. Tiens, d'ailleurs, ça pique par contre. Ça a des épines remplies de venin. Faut pas marcher dessus. Pareil, il y en a une autre là. Les pièges sont partout. J'espère trouver une autre caisse ici. Je vais renager comme ça ira mieux. On observe bien, ça a l'air d'aller. Et on a une autre caisse. Donc c'est parfait. Autre épave encore juste en face. Mais ça n'a pas l'air d'être des grosses épaves hein, sur cette île. Après c'est juste l'île de départ donc c'est normal. Pourvu qu'il y ait un truc. Il n'y a rien du tout. Ok. On va voir s'il y en a d'autres mais j'aperçois déjà mon petit radeau. Ce qui me fait dire que ça va pas être le cas. Par contre on a du tissu ici. Pierre. Là, on a de quoi se faire un remède. Faut juste avoir le niveau après. C'est la plante qui permet justement de faire l'antidote quand on est empoisonné. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre là? Non, par contre, il y a de l'aloe vera. Je ne sais pas si je peux prendre. Si, ça va. Il y a même des planches au sol. Ça y est, je suis full. On va ramener tout ça.
C'était par là. Là, sur la première île, il n'y a pas trop de danger, sinon il n'y a pas de serpent, de choses comme ça. Mais par la suite, ça peut arriver. Première caisse, deuxième caisse, des planches, c'est bien. Plantes, on va les mettre là. On a du bois, etc. Je vais le garder. D'accord, c'est bien. Waouh, ça fait déjà de la planche. Oh, puis un marteau. Excellent. Excellent pour construire. Donc, bah, puisque j'ai déjà fait toutes les épaves, je vais récupérer beaucoup de yucca. Ce qu'il faudrait, c'est que je me fasse un couteau raffiné. C'est-à-dire un meilleur couteau. Voire une hache, d'ailleurs. Les deux. Après, je fais une grosse collecte et puis on va voir si on peut pas aller ailleurs parce que là, on n'a pas été très bien servi au niveau des épaves. Si je regarde, bah par là, on aperçoit un énorme bateau. Là-bas, il y a des bateaux aussi. Je vais aller par là, je pense, parce que le bateau que je vois là-bas, il est très intéressant. Je me rappelle de lui. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Ok. Je fais le couteau raffiné. Ah tiens, une nouveauté d'ailleurs. On peut sélectionner comme ça avec clic droit ce qu'on veut construire et ça dit ce qu'il faut. C'est assez utile. Par exemple, si là je veux me faire une hache, je mets ça et puis je vais essayer de la faire justement. Donc il va me falloir deux petits couteaux comme ça. Je les ai plus une corde. Je peux pas la faire pour le moment. On va récupérer de la fibre. Tiens, il y a des fruits. Miam! Là, il y a de la fibre. Et là, il y a de la fibre. Je peux faire ma corde. Je prends un point d'artisanat. C'est très bien. Je peux faire ma hache. Je l'ai fabriquée. Et ça va aller beaucoup mieux déjà avec. On prend un point de récolte. On va regarder la montre après. C'est caché derrière là. Alors ça, la fibre, c'est vraiment le truc de base. Faut en récupérer beaucoup parce qu'on a besoin de faire beaucoup de cordes. On peut la cultiver. D'ailleurs, là, je viens de ramasser la petite graine qui permet de replanter. Il y en a une autre là. Et on va poser ça avec le reste ici. Ok. Du coup, peut-être que je pourrais bien me faire un marteau, même si j'en ai un, c'est toujours utile. Puis il faut crafter des choses au départ pour prendre du point de toute façon. Donc voilà, je me crafte un marteau. Je peux faire aussi un allume-feu. Donc je le fais. Je pourrais également me faire une lance. Je vais en faire même deux. Voilà, ça me fait pas mal d'outils. Tous ces outils, je vais les garder. Mais on va essayer de trouver une place là-dedans. Pour les ranger pour le moment. Je vais mettre aussi le marteau comme ça parce que je vais pas construire ici. C'est bien. Là, il y a planches. On va mettre toutes les planches avec. Non, je voulais pas faire ça. Je veux prendre une planche et la mettre avec l'autre. Nickel, ça m'ouvre une place là-dedans. Et je vais mettre le truc allume-feu. Ok. Je suis comment? J'ai un petit problème avec le soleil actuellement. Mais sinon, tout va bien. On va manger ça. Ça hydrate un peu, hein, mine de rien. Si on regarde. Là, c'est revenu à fond. Toutes mes plantes sont là. Ok. On va continuer à prendre de la fibre, puis on part. On part direct. Je fais le stock. Je fais des cordes d'ailleurs. Je vais pas garder la fibre en elle-même, mais plutôt faire direct les cordes. Ça se cache bien, hein. Faut tout récupérer, mais des fois c'est planqué. Et on trouve pas. Là j'ai vu que ça m'indiquait quelque chose. Déjà le fruit. Là, voilà. Vous voyez, des fois, hein, c'est très très compliqué de bien voir. Je jette un coup d'œil, voilà, pour récupérer ces dernières choses-là. Et puis, on va y aller. On va peut-être arriver avant que le soleil se couche de l'autre côté sur l'île au gros bateau. Et je pense qu'on va s'installer peut-être là-bas. On verra bien, en fait. Je m'avance pas trop parce qu'on sait pas ce qu'on va y trouver.
On va se faire de la corde. Artisanat niveau 2, très bien. Ah ouais, je peux faire un arc aussi déjà. Ça, c'est bien aussi. Ça donne quoi? Ça donne qu'on a ça là. Ok, je vais voir. Je peux pas stacker des trucs. Non, c'est pas possible. Je vais virer ça. Je vais virer ça. Le reste, je le garde. On repassera de toute manière, c'est pas grave. Et c'est pas des trucs dont j'ai besoin tout de suite. Par contre, on va mettre ça là-dedans. Il n'y a plus de place pour du bois. Là, il doit y en avoir. Si tu pouvais ne pas le prendre à la main, ça m'arrangerait. Ok, ça nous laisse plus de place. Parce que je veux récupérer ceci par contre. Peut-être pas les graines d'ailleurs. Je vais les laisser avec les trucs à venir rechercher. Le tissu, je le veux. Et puis là, on est bon. Est-ce qu'on peut tout prendre? Non. Franchement, une pierre, ça va aller. Ouais, puis ça aussi, allez hop, je le laisse. Et cette fois, on est très bon. J'ai même une place pour pouvoir prendre ma rame, ce qui est parfait. Est-ce que j'ai des pierres sur moi? Il y en a plein partout, mais non, tant pis, allez. Faut y aller de toute façon. Je prends la rame. Et direction là-bas, on voit que le soleil commence déjà à se coucher. La première journée, c'est du très très rapide, ça va très vite. Ah tiens, t'as réussi à monter direct comme ça en plus. Tu t'assois, non, c'est vrai, il faut avoir la rame dans la main. C'est mieux. Allez, la bonne direction surtout. Faut pivoter par là. Et on aperçoit le bateau dans la brume. Ce bateau-là, il vaut le coup d'œil. Donc c'est chouette de l'avoir direct comme ça, tout proche. Par contre, je vais pas vous montrer toute la progression vers cette île là-bas, parce que ça va être long. Donc on va se retrouver quand j'arrive. On est en approche et on a un beau soleil couchant juste derrière l'île. C'est magnifique. On va arriver de nuit à mon avis, parce que le soleil se couche très vite. Là, regardez, il est en train de disparaître. Ça y est, la nuit arrive. Par contre, il y a plein de carcasses de bateaux ici, j'ai bien fait de venir. C'est carrément pas un mauvais choix. Il y a un requin, bien sûr, comme d'hab. Autour de chaque île, il y a des requins. Un petit peu moins au large, finalement. Oh, j'aperçois un crabe géant là-bas sur le côté à droite. Donc on va être prudent. Il y a beaucoup de tissu épars. On va rien voir. Je mets mon canot de sauvetage ici. Je vais poser mes caisses. Tu m'as fait peur le petit crabe. Ok, la rame, on va l'accrocher comme d'hab là. On va le tirer plus comme ça parce qu'on sait jamais. Ça va, ça éclaire bien ça. Ce que je voudrais, c'est récupérer du bois, déjà. Plus ça, pour se faire un petit feu. Ah, je peux me faire du bandage aussi. Pourquoi je peux pas faire mon petit feu? J'ai pas assez de bois, ça m'étonne. On va regarder ça tout de suite. Il en faut 4, j'en ai que 3, d'accord. On avait que ça? Ah ouais, ok, bon c'est pas grave. On en trouve direct, donc ça va. On va faire le feu comme ça, sur le dessus. Ensuite, on va prendre ceci et on va allumer. Comme ça on s'éclaire un peu déjà. Première étape, hein. Nickel. Je te pose là. Ensuite, j'avais tout ça sur moi. Ok, je vais placer les plantes comme ça. Quand j'en ai. Et puis, je vais récupérer la fibre parce que c'est important. Ça aussi, je vais le récupérer pour chasser notre ami le crabe géant qui est là. On va essayer d'arriver en furtif juste derrière. Je promets rien. S'il me voit, il va me foncer dessus. Et là, il me tourne le dos.
Tant qu'il me tourne le dos, il n'y a pas de souci. Voilà, il est obligé de fuir. Il peut pas me toucher. Ah, j'ai plus de place. Ok, bon, on va le dépecer après. D'ailleurs, je vais l'emmener. Ça évitera qu'il traîne comme ça. Plus comme ça, alors. Faut toujours libérer la main. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Voilà, on la porte là. Nickel. On va se faire un tas de planches. À côté, on va mettre du tissu. J'ai des cordes, on va continuer à en faire. Et puis donc toi, on va te découper. On récupère, je crois, deux morceaux de viande. Viande moyenne. Donc viande moyenne, ça nourrit déjà très bien. Là, je mets celle-là à cuire et l'autre à côté. On va ramasser du caillou. On va faire comme ça, c'est bien. Hein. La lampe torche, c'est top. Très pratique. Et il y a pas mal de cailloux, c'est bien. Je ferai les épaves le lendemain parce qu'on peut pas plonger de nuit. Encore que celle-là, ça serait possible. Peut-être uniquement celle-là à la limite. Mais là, faut que je pose des trucs. On va se faire le petit abri aussi. Ça permet de sauvegarder. Donc, Pierre, tu peux pas. Là, tu vas pouvoir. On va se poser ça là, un petit tas de pierre. Ça va rouler, mais ça va pas fuir. Il y a du bâton. J'avais pas fait un tas de bois. Je vais le mettre là. Et c'est tout, j'ai plus rien. Ok, je récupère ça. Les plantes. J'en ai mis une là. Et j'avais dit donc un petit abri. Pour un abri, je crois qu'il faut que je coupe ici. Je vais récupérer la noix de coco et je vais couper l'arbre. Par contre... Oh non, ça va. Ça va très bien, j'ai encore de la corde. Du coup, je vais faire ça. Et puis on coupe l'arbre. On va se récupérer aussi ça au passage. Un petit peu de fibre supplémentaire. Là, cette hache est pas très puissante, comme vous pouvez voir. Puis en plus, j'ai pas tous les points en récolte, etc. Donc c'est un peu plus long. Là, on coupe la tête. Je peux la prendre. Ça, je peux le réduire pour en faire du petit bois. Ou on peut le garder pour autre chose, si on a besoin de bûches. Voilà, nickel. Donc ça, je vais le mettre avec mon tas de bois. Tas de bois qui est là. Alors ensuite, la tête. Je la pose. Et pareil, je peux la réduire en feuilles. Je vais sélectionner ce que je veux construire, c'est ça. Nickel. Je prends juste 4 feuilles. Je viens sur mon tas de bois ici. Et normalement, ça me le propose, voilà. Je vais construire mon petit abri, comme ça, à côté du feu. Donc là, je peux dormir ou sauvegarder. Ensuite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ceci, distillateur d'eau, parce que ça permet d'avoir de l'eau. Et je vais en avoir très rapidement besoin. J'ai déjà fait la gourde exprès pour. J'ai une feuille de palmier, donc ça va. Faut que je trouve de la corde, le tissu, j'ai les pierres, j'ai mon petit tas. On avait vu en plus en arrivant qu'il y avait plein de tissus partout. Bon, c'est clair. Hein. Il y en avait un là et je crois un de l'autre côté. C'est ça. Donc il manque que de la corde. On use vite la corde, hein. C'est le truc principal du jeu. Vraiment. Voilà, c'est fait. Du coup, j'ai encore en plus un tissu là. Du coup, j'ai besoin de ça. Je l'avais affiché, mais ça s'est enlevé. Si je m'éloigne, ça va. Nickel. Hop, on se fabrique ça. On va le placer ici. On va recouper un arbre. Par exemple, celui-là. Donc, nouvelle noix de coco. On s'abat ça. Toujours un petit peu long.
Mais c'est bon. Et là, j'ai de nouveau besoin de la tête pour les feuilles. Voilà, je vais la casser ailleurs pour pas que les feuilles dépopent dans le buisson. C'est jamais, hein. Je prends un point récolte en plus. J'ai en récupéré 3. Je pense que c'est 3 qu'il faut là pour l'instant. Oui, il est vide, je sais. Je vais placer les feuilles. Voilà, c'est le carburant pour obtenir de l'eau. Il faut toujours, toujours en mettre. Le distillateur, c'est vachement important. Ça, c'est cuisiné, donc ça veut dire que c'est cuit. Je le prends. Est-ce que j'ai faim? Bon, un carré, c'est pas encore nécessaire. Ah ouais, tu vas me prendre le cuit d'abord, forcément. Donc je mets le pas cuit. Il faudrait se souvenir que le cuit, il est par terre. On va le mettre à côté des plantes, ça sera plus visible sur le sable. Ok, sinon, noix de coco, hop, on pose. On peut la casser. Et quand elle est comme ça, boire. Et puis, on la jette, donc fallait pas l'enlever. Et là, on la recasse. Et cette fois, on obtient 2 morceaux à manger. Donc si je regarde ma montre, voilà, j'ai un carré de moins. Si je mange les 2 morceaux, le carré est revenu. Donc j'ai été nourri comme il faut, c'est bien. Par contre, faut pas trop en abuser, je le déconseille. Ça donne la chiasse. Donc à éviter, quoi, tout simplement. Hop, on va se prendre ça et remettre dans le feu parce que je voyais que ça baissait. C'est déjà cuit, ça? Non, pas encore, hein. Ok, très bien. Je vais regarder ce que je pourrais faire d'autre en attendant. Bah déjà, je pourrais me faire ce petit rond de pierre autour de mon feu. Ça pourrait être pas mal. Il faut que je crafte des trucs de toute façon pour pouvoir ensuite aller vers la construction de mon radeau. C'est-à-dire là, niveau 3 de base avec les pneus. Niveau 4, ça pourrait être pas mal. Mais si on commence à faire avec les pneus, on va obtenir niveau 4. Et on pourra faire avec les tonneaux. Et je pense que des tonneaux, on va en trouver là-bas, là-dedans. Et des pneus aussi, un petit peu partout. Donc il n'y a pas de souci. Juste le rond de pierre. On va poser ça là au passage. Est-ce que ça suffira? Eh oui. Donc voilà, on a crafté un truc supplémentaire, histoire 2. Et puis on va se prendre ceci. Et on va aller faire un tour déjà près de la première carcasse qui est pas dans l'eau. Comme ça, on peut récupérer des choses. Continue ma collecte. Cette île est beaucoup mieux que l'autre où j'étais au début. Il n'y a pas photo. C'est clair et net. Vas-y, grimpe. C'est bien. Ouais, on a encore des pneus. Ça en fait 6. Une caisse là. Ça ressemble au bateau qu'on a fait tout à l'heure. Ça paraît être exactement le même. En fait, ouais, c'est le même. Planche, c'est chouette. Et donc ici, on va libérer les pneus, les faire passer au-dessus. Le premier, il veut jamais. Toujours pas. Il est très pénible. Allez, tombe. Ça y est. Les autres, ça va mieux après. Je sais pas pourquoi. Ça fait toujours ça. Essayons de pas marcher sur une plante qui pique. Ah tiens, il y a de l'atoll là. Je vais les mettre là. Des fois ils roulent et ils s'en vont après. Et c'est vrai que quand ils sont dans l'eau pour les récupérer, des fois ça va très très loin. Ah oui, on va passer avec la main, ce sera plus simple. Ok. Alors me demandez pas comment il fait pour faire ça. Je sais pas. Il nage et en même temps, il fait avancer. Peut-être avec son nez, je sais pas. C'est vraiment très étonnant. Mais pourquoi pas, hein, du moment qu'on rapporte ça sur la terre ferme, on s'en fout. Ok, on est bien. On a ça. Faisons le petit tour. Tiens, on a de la patate, là. Je vais pas cueillir tout de suite. Je vais la laisser, mais on sait qu'elle est là. Je la cueille pas parce que ça pourrit. Donc éventuellement, si on voulait la manger, mais c'est pas fait pour être mangé réellement, c'est plus pour faire du carburant dans le jeu. Hein. C'est plus ça son utilité. Ok, on a de la planche encore, c'est chouette, vraiment, on est gâtés. Hein. Comme quoi, faut pas hésiter à déménager sur le jeu.
La première île, c'est jamais trop ça. Et après, on trouve plein de trucs bien. Là, c'est excellent. Je fais mon petit stock encore de pierres. Et je pense que pendant la suite de la nuit, je vais aller couper beaucoup, beaucoup de fibres. Et comme ça, quand on se retrouve à l'aube, on peut attaquer l'exploration autour. On va voir ce qu'il y a dans cette caisse avant. Ok, encore un marteau comme ça, c'est excellent. J'ai pas de la tôle, je crois pas. Je vais la poser là. Les planches, par contre, j'en ai plein déjà. Elles étaient ici. Nickel. Ça va, ça s'organise. Je vais pas construire ma base ici, j'irai ailleurs. Sûrement en face, sur un îlot avec un rocher comme ça, parce qu'il risque d'y avoir un cochon. Là, il y a une carcasse aussi. On voit les bulles. Et puis là, donc, je vais récupérer beaucoup de fibres. Et puis, on se retrouve après. On a un beau clair de lune à l'horizon, mais ça y est, ça va être l'aube. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Je vais me manger ça parce que je crois que j'ai un petit peu faim. Bon, pas trop, mais je le mange quand même. On boit un petit coup aussi. C'est très bien, d'ailleurs, on va continuer à alimenter ça pour avoir toujours de l'eau. Là, je suis au top quand on entend la montre. Ça veut dire que tout va bien. Ou presque. On va reboire un petit peu plus. Voilà, on est très très bien. Hop, tu prends ton crabe cuisiné. Par contre, on peut éteindre le feu. On le rallumera plus tard. Et puis là, on va pouvoir s'occuper justement d'aller chercher un petit peu partout ce qu'il y a à récupérer. On va commencer à y voir un peu plus clair. Donc, pas non plus besoin de la lampe torche. Les lances, à la limite, je peux les ranger quelque part. Ouais, je vais les ranger là. Je vais garder ces deux trucs là, ça suffit. Au cas où, pour se défendre. Et c'est parti. On essaie de pas marcher sur un truc qui pique. Physique, quand on nage, on gagne du physique. C'est bon à savoir. Là, il n'y a rien du tout. Par contre, juste en face, on a une grosse épave. Simplement, ça craint. Parce qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant sous l'eau. Le soleil n'est pas encore assez haut. Donc, méfiance, méfiance. On a du pneu. Ok. Est-ce que je vais direct dans la cale? C'est risqué. Hein. Je vais libérer les pneus. Parce que là, on voit un peu. Oula, j'ai eu peur, hein. T'as fait un drôle de bruit. On va entraîner ça, je crois que le requin est là, je l'entends. Oui, il est là. On profite qu'il est de l'autre côté pour aller par là. Et on ramène les pneus sur le bord. Attention. Il y a déjà un requin dans les parages. Bon, normalement, faut quand même le vouloir pour se faire avoir par un seul requin. Hein. Mais on sait jamais. Ça pourrait m'arriver. Des fois, il vous entraîne au large. Il va peut-être pas rester tout le temps, là. Ouh, le mérou. J'attrape ça, je regarde s'il est pas là. Il est là. Oh, il a essayé de me foncer dessus. Mais souvent, les débris de bateau, ça le gêne. Il est gêné par les carcasses. Là, je nage vite. Mais je reprends mon souffle. J'ai marché sur un crabe, c'est pas grave. Ça fait sursauter, c'est tout. Donc là, on en a ramené déjà deux. Et on y va tranquillou et on regarde ce qui se passe. Et là, je vais essayer de foncer. Ouf, il m'a mordu. L'enfoiré. Salopard de requin, là. Ah ouais, d'accord. Il passe là, bah je change ce que j'avais dit. Les carcasses le dérangent pas du tout, lui. Il m'a déjà mordu deux fois. Donc j'ai perdu du PV. Il faudrait que je bouffe un truc. Nage, nage. Je ne veux pas mourir tout de suite.
J'étais là à dire, oh, un seul requin, ça va, pas de soucis. Résultat des courses? Ça va. Ça va plutôt bien quand même. Et donc on va aller explorer maintenant l'intérieur de la coque. Toujours tranquille. Attends. Hein. Faisons ça de manière rapide et efficace. Comme ça, c'est bien. Là, je pense pas que je puisse être attaqué. Oula, on peut pas passer par là. Clairement pas. Eh, c'est même un gros piège en fait. Mais non. Je suis bloqué dans les cailloux. Ah, j'ai eu peur. Ouais, parce que sinon on meurt, hein. Et là, c'est bye bye. Il est là, l'enfoiré de requin. Pour l'instant, je pense pas qu'il puisse m'avoir. C'est beau, hein, le requin, comme ça. Quand il nous tourne autour. Je suis protégé par le plus grand ferraille, là. Physique, ça monte. On va là-dedans. Qu'est-ce? Oh, je voudrais que tu sois comme ça, c'est mieux. Ok. Ouais. Je regarde partout. Panique pas. Là, c'est bloqué. On se casse. On se casse! Bah si, panique. Fou fou fou, il a failli mourir. Je crois que c'est tout. Nage vite. C'est bon. On a échappé à notre ami le requin. Bon bah c'était tendu déjà. Mais on a récupéré pas mal de choses. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On a à nouveau de l'atoll. Plus un pistolet d'alarme. Ouais, génial. Excellent ça. Ça s'éclaire bien, j'aime bien. Ça c'est pour marquer les caisses. Ça permet de savoir ce qu'on met dedans. J'ai pas déjà un autre pistolet d'alarme d'ailleurs. J'ai dû le laisser là-bas. J'ai voulu le mettre, mais il s'est pas mis. Il y a des fois des trucs comme ça. Gestion de l'inventaire, ça a pas changé. Hein. Toujours un peu galère. Ok, j'ai l'impression qu'il y a des bulles juste à côté là. Donc je vais y aller. On va voir ce que c'est au juste. On reprend des risques. Et c'est une toute petite épave. Avec rien. Wow, de l'argile. Ça, c'est bien. L'argile, c'est au top. C'est vraiment très très bien. Ça permet de faire des briques. Et donc des constructions en briques. On peut même faire un bateau en briques. Hein. Comme quoi, les briques peuvent flotter. Je regarde s'il y a d'autres bulles, mais je vois pas. Ouais, je vois vraiment rien. Donc il doit rester seulement notre gros bateau. Celui-là. Dont la texture s'affiche pas quand on est à cette distance. C'est très bizarre. Allez, on s'approche. Je vois rien d'autre, hein, clairement. Je vois pas de bulles au loin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres trucs planqués sous l'eau. Par contre là, faut être vigilant. Hein. Je me souviens que dans cette épave, on peut facilement se noyer. Ah si, j'en vois là-bas. Là-bas, ça bouillonne. Mais c'est loin, hein, la vache. Il y aura prise de risque pour y aller. Il y a une raie, là. Une tortue, aussi. Quelle est belle, la tortue. Moi, j'aime bien les animaux, de toute façon. Donc, j'aime bien ces jeux-là. On va aller par là d'abord. Et on va regarder là-dedans si on peut grimper. Et on peut. On retrouve une lampe torche. J'en avais pas forcément besoin. Alors c'est vrai qu'on trouve souvent les mêmes objets quand même. Hein. Il y a un peu redite. Mais des fois on a des stocks énormes de lampes torches. De tout ce qu'on veut. Par contre là le pneu, je dis merci. La porte elle s'ouvre pas. Celle-là si.
Il y a une caisse. Waouh, du cuir en plus, excellent. Excellent le cuir, excellente trouvaille. Faut que tu remontes. Ouais, tu remontes tout de suite. C'est ça le piège hein, ici. Faut pas aller s'enfermer et là je suis bloqué. Est-ce que t'as perdu des points de vie? Non. C'était juste, hein. On va venir ici, la lâcher et regarder ce qu'on peut mettre dedans. Comme ça, on est un peu moins chargé. Alors, j'hésite à retourner par cet endroit. Bon, on va essayer un petit peu encore pour voir s'il y a d'autres. Là, je venais de là et normalement, j'ai tout fait, hein, on est d'accord? Ouais. Je vais reprendre de l'air et après, je vais aller un petit peu ailleurs. Tu peux pas reprendre de l'air là. On avait l'impression que si, mais non. Courage! Par là. Ça descend. J'observe rapidement. Il y a des tonneaux. Pour aller chercher là-dedans, par contre. Tonneau aussi. Ok, vite. Faut se casser. Vite, sors de là, sors de là! Ouh, ça craint. J'ai cru que c'était une planche. Il m'a fait flipper, hein. Je me suis dit, allez, ça y est, tu vas crever. Et si on passe de ce côté-là? Pneu. Ok, ouais, vraiment, regardez ça, tout ce que je vais pouvoir prendre. Le problème, ça va être de les récupérer, à mon avis. Ok, peut-être les faire sortir par là. Je me souviens que j'avais galéré. J'avais vraiment galéré pour faire sortir ça. Mais là, franchement, avec tout ce qu'il y a, je me fais un radeau direct. D'autant que j'ai du cuir, donc je vais pouvoir me faire la petite, le petit truc pour fabriquer des planches, je pense, hein, à mon avis. Ça va pas trop être problématique. Attends, regarde dedans, s'il te plaît. Ok. D'accord. Bon, pour l'instant, je prends pas ça. On verra plus tard. Parce que je commence à être chargé. Ça, c'est du fake. On peut redescendre par là. Moi, j'ai pas fini de l'explorer, celui-là. Clairement pas. Je vais y revenir. Du cuir, j'en prends. C'est excellent. Une bouteille à oxygène. Je pourrais peut-être l'utiliser pour aller sur le fond après. Le fond de l'épave. Et ici, c'était la cuisine et il n'y a pas grand-chose. D'accord. Et on peut monter. On peut monter. Là, il y a une chambre, je crois. C'est ça. Encore du cuir et encore une bouteille d'oxygène. De mieux en mieux. Je vais revenir plus tard. Clairement, je vais revenir. Oh, je suis passé à travers la porte. Ah bah parce qu'elle s'est ouverte. D'accord. Il n'y avait pas plein de bouées. Oui, sur l'avant, voilà. Il y avait plein de bouées comme ça. Après, on peut monter jusqu'en haut. On va le faire pour voir. C'est comme ça, hein, oui. J'ai retrouvé. On monte pas très vite. Et quand on est tout en haut, on peut sauter pour plonger. Mais alors, faut faire attention parce qu'on peut se casser une jambe. Donc, je vais peut-être pas le faire. En plus, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que tu fais, au juste? Est-ce que tu fais le kéké et tu plonges? Attends, on va voir de là. On essaie? Oh, c'est beau. Allez, hop. Yes! J'ai ramené ça déjà. Hop, avec une caisse sur le dessus. Ah, c'est un autre bateau qui est juste à côté. Bon, on n'a pas fini d'explorer ça, hein, clairement pas. Parce que ce qu'il faudrait maintenant, c'est collecter tous les pneus qu'il y a. Mais alors, vraiment tout. Pour pouvoir se faire le radeau.
Attends, arrête de courir, tu vas être essoufflé. Regardez ce que j'ai trouvé sur cette île, franchement. C'est énorme. Et là-dedans. Oh la vache. C'est bon tout ça. C'est très très bon. Je vais placer ça là. Par contre, je vais récupérer le cuir. Qu'est-ce que je pourrais ranger? La lampe torche. Il n'y a pas un endroit avec un autre marteau? Bien sûr. Donc on les accumule. Et par contre, on prend les cordes. Ok. Et du coup, je vais m'intéresser maintenant à la construction d'un truc à planches. Fabrique de planches, c'est ça. Donc il me faut surtout une hache perfectionnée. Est-ce que je peux d'ores et déjà en faire une? Hache perfectionnée. Je la mets là. Je pense que oui. On vient ici. On se fait ça. On se fait une hache perfectionnée. C'est très bien. Du coup, on revient là. On regarde la fabrique de planches. J'avais un marteau, je vais le retrouver. Le bois, pas de problème, il y en a un juste à côté. On va la marquer. Le tronc est là. 4. C'est nickel. Et le marteau, je vais poser ça dans les caisses du départ. Donc je reviens ici. Regarde, il est là le tronc. Bah oui, prends-le en compte. Fabrique de planches. Ok. Bon, j'ai pas à m'embarrasser. Je vais la mettre là. Comme ça, je peux faire plein de planches. J'en avais déjà pas mal. Hein. J'ai un stock là. Mais les planches, ça va être utile pour faire mon radeau de départ. Ok. Je regarde si j'en ai pas laissé à droite à gauche. Il me semble que si. D'accord. Ok. Je vais les poser là. Le cuir, c'est bien d'en avoir déjà autant. Et la corde, je vais la mettre avec. Voilà, on a un stock. C'est excellent pour l'instant. T'es comment? T'as soif? Ouais, je sais. Mais ça va aller, t'inquiète. Faut pas laisser pourrir. Donc on mange, ça va encore mieux. On reboit, peut-être que je vais remettre de l'eau. Donc ce qu'il me faut, c'est de la fibre. Là, je vais utiliser celle-là, je vais pas couper un arbre. J'en prends 4. Et comme ça, je suis bien. Et puis je crois que je vais m'arrêter là pour cette fois. La prochaine fois, on va aller chercher tous les pneus. Et on va entamer la construction du radeau. Ça va être nickel à mon avis. On va faire un super radeau dès le départ. Moi, je suis super content. C'est un départ extra. Sur les chapeaux de roue, je dirais. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut!